Bonsoir à tous. Donc, je crois que je vais parler de la SSH. Je vais dire qu'on va voir qui a été déjà utilisé. Et qui ne l'a jamais utilisé. Il y a des gens qui l'ont utilisé et pas utilisé. Donc, alors, pourquoi je ne suis pas passé de la SSH? Parce que simplement, c'est le départ de mes problématiques qui étaient à la base. En relationnel, et il n'y a pas des recherches dessus. Parfois, quand on a des recherches en relationnel, c'est relativement compliqué parce que la question est plus vite. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les SSH. Alors, pourquoi les SSH? Je veux dire, parce que c'est un peu de recherche, tout texte. Donc, c'est jamais de. Donc, pas mal de problèmes. C'est basé sur la page UCL, donc, alors, aussi, c'est relativement assez spécial. C'est distribué, alors c'est vraiment le problème de charge et de répartition. L'instrumental aussi, c'est qu'en ce moment, on fait une recherche, on analyse le résultat en réel. Et donc, après, le plus important, c'est que ça retient des documents, donc la construction de l'écrit. Donc, on a la définition de structure en réel. Et l'avantage aussi, c'est que pour l'intéressant, c'est aussi bien dans notre ligne, en HTTP. Et aussi, donc après, c'est un choix personnel, avec des outils en tant que base de données principale. Certains milieux conseillent, parce qu'on a fait sur la version 1.5, mais par contre, dans certains cas, des petits problèmes de pas de données. Mais je n'ai pas trouvé de. Comment dire, de l'aide sur les versions 2x, en sachant qu'il y a pas mal de modifications. Donc, on va rentrer les SSH, parce que c'est très simple à installer, mais ça fait un peu de l'aide sur le 2x, et on s'est lancé le binaire, et ça marche tout seul. Après, on se connaît directement sur le Windows, donc on descend par défaut, et ça marche tout seul. Donc, on a deux façons d'interagir avec les SSH, donc je pense qu'on va rentrer dans le domaine GPT. Mais si on veut pouvoir tester rapidement, si on se met tout, c'est différent. Ou sinon, il y a une plugin à la fin par défaut qui est SES, qui permet de modifier la requête, de voir mon interface, qui permet de garder facilement de tester la requête et de modifier facilement. Donc, un test très basique pour tester un cluster, c'est le SSH, qui permet de récupérer les informations en deux lettres cluster. Et surtout, par plus uniquement du mot. Donc, comme je vous l'ai dit, de base, le VS fonctionne très bien sans configuration, donc juste à l'installer et à lancer, ça marche tout seul. Ça va commencer un cluster avec un nœud, et voilà. Donc, après, il faut savoir que. SSH est basé sur des documents. Donc, les documents sont. C'est nos objets qui sont stockés dans les documents. Les documents sont stockés dans des index. Donc, comme les documents sont stockés dans l'index, on peut choisir une option relativement importante. Et donc, le contexte est pour là. Les index sont récupérés en charge, donc ce sont des partitions de l'index. On a aussi ce qu'on appelle les LQL, qui sont juste des copies des charges qui sont distribuées sur les terminaux d'applications, qui permettent donc. D'une part, de l'enregistrement, mais si un code sortant, on ne peut pas perdre forcément les charges qui sont sur l'augmentation. Et aussi, ça permet de répartir les charges et de suivre les recherches. Donc, ici, peut-être plus valant, on a la requête pour savoir l'état du cluster. Donc, on voit que j'ai un seul nœud avec plusieurs champs actifs. Le statut du cluster en question, que ce soit green, soit yellow, soit red. Donc là, évidemment, c'est yellow parce que j'ai la vita, donc comme j'ai personnel, je ne peux pas être distribué sur un bon nœud. Et je ne peux pas le cluster avec le statut du bien yellow. Si j'ai la marge de tête dans ces nœuds, automatiquement, le cluster pourrait répartir avec vita qui ne peut pas être directement, et le cluster sera un bon. Donc, comme je disais, il y
Quelle est cette sorte de base du coup MySQL orientée sur les deux documents, les documents utilisés par un DES. On a l'air de trouver des outils qui permettent par exemple d'organiser les documents. Donc, par rapport à ce que vous avez vu, standard, vous considérez que l'index ou l'indice correspond à la base. L'état correspond à la politique, et après, les documents correspondent à la politique. Donc, pour indexer un document, c'est plutôt simple. Donc, on va d'abord faire un post, donc sur 20, en l'occurrence, un index JSON avec des followers. Donc, on va réaliser très facilement, donc, par défaut, si c'est du design, on peut sauter librement les structures de données. Par défaut, en utilisant un poste de VLU et de l'air, du coup, ça permet de pouvoir insérer sans se préoccuper de l'air. Mais si on veut, on peut envoyer par défaut de VLU, par VLU, par VLU, sur un contact. Et si potentiellement on utilise un VLU externe, plus sûr que j'avais quand même des VLU, on peut en utilisant directement le Bluetooth, ou là, on va constituer en plus du kit spécifique de la réunion. Donc, on va faire le numéro de VLU. C'est une particularité, on peut faire un post ou un pouce, on crée un objet, et on va voir que quand on a la réponse, c'est une fois que je précise que l'objet vient de faire le fait. Donc ça, c'est une différence, parce que le coup peut également être utilisé pour le faire dans l'occurrence. Donc si par exemple, ici en l'occurrence, je fais un coup sur la micro 118, dans la réponse, la création sur un compost, ça va se lever plus que c'est la nouvelle. Donc aussi, potentiellement, on peut aussi utiliser pour être sûr que quand on fait un boost, on va faire ça potentiellement des données qu'on a déjà installées. On peut utiliser donc PodType, le create, qui va permettre de générer une erreur si l'ID est utilisé dans la base de l'information. Ce qui permet de faire des erreurs. On peut aussi également mettre un document partiellement à jour. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter une liste de livres. Et donc en spécifiant, en faisant un poste avec le premier update, on va juste rajouter dans l'objet de ce qui est dans le search, on dit le livre, sans forcément devoir insérer en ordre précisé l'ensemble des livres. On récupère un document, donc on fait un update qui va permettre naturellement de récupérer un document. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on insère un document, après la ligne, on peut instantanément récupérer le documentation de la liste. Par contre, même si le temps de possession est très court, on s'en fait un choix pour juste après avoir ajouté un dessin à un document. On a une petite chance de ne pas couper le document. Parce que même si c'est assez rapide, potentiellement, si je veux reconstituer de façon très très courte, je peux ne pas trouver le document qu'on vient d'essayer. Évidemment, je ne peux pas encore laisser quoi. On peut aussi, si on a besoin, récupérer aussi un seul champ sur nos objets. Donc, c'est plutôt pratique on récupère quelques champs, encore des champs, je vais récupérer la scène, et les étoiles qu'on verra à la source ou juste dans le champ en question. Ça nous va en faire aussi, on peut faire en une entière, on peut récupérer plusieurs documents, au nom de plusieurs index. Donc là, c'est pareil, potentiellement, on peut récupérer une entreprise de un follower en termes de ligne, mais aussi récupérer une mise de l'autre pour récupérer un peu en question. Donc, on utilise les méthodes de get, post et push, on a la méthode de get qui permet de supprimer un document. Donc, il faut savoir que la suppression n'est pas instantanée. Dans le présent, les histoires vont juste payer le document qu'on va supprimer.
et le funérail de son père, par exemple, parce que c'est la psychologie, c'est-à-dire que elle, par exemple, c'est un documentiste. Donc, c'est de pouvoir récupérer un document si c'est pour vérifier son existence. Donc, après, on peut faire la dimension, on peut chercher des éléments. Donc, pour chercher, c'est très simple, soit sur l'URL spécifique en pensant à la recherche, et qui va identifier l'ensemble des documents contenus dans un index de petites données. Donc, par défaut, la section, je vais juste spécifier les entretiens de l'UTA et la retourner dans les 10 premiers éléments. Parce que ça évite d'avoir la recherche imaginée. Donc, on va utiliser un peu les 5 et les 3 qu'on va en sortir. C'est pareil, donc on va en fait naviguer dans le résultat. Pour voir que donc, comme ça aussi, on va être dans un endroit où on cherche un bout. Il faut savoir ici qu'on a un score, donc, offensif, c'est que les scripteurs qu'on va chercher par pertinence, on va chercher en recherche et va ressortir les résultats par le compte de pertinence, en sachant qu'il va ressortir un droit de pertinence plus d'importance et enfin de pertinence moins d'importance. Donc là, comme le chef tout du coup, tout est à l'avant, donc je vais changer les deux. Donc, le code de on peut préciser rapidement la taille du bout d'écran qu'on veut pour les situations qu'on veut vendre et la partage de quelle position aussi dans la recherche. Donc, là, tout à l'heure, on va principalement des phrases via l'URL. Donc, on va aussi passer donc, pour le recherche de contenu, un petit contexte, dans un body, une structure en un design, une attente, une requête, un peu plus de détails. Donc, à l'arrière, après, on va prendre le soin de pouvoir ajouter des recherches pour pouvoir mettre des choses. Donc, globalement, le DSF, c'est ce qui permet d'avoir exprimer si on a besoin de rechercher dans les sites, de savoir si c'est juste une connexion à une scène, un critère d'utilisation de scène. Et donc on a pas mal d'opérations que l'on peut faire. On peut faire selon le besoin. Alors je vais donner des exemples. Et pas mal, en général, les parties utiles sont avec le terme, c'est quand même une recherche. Pour les objets. On a vu qui permet d'avoir des conditions dans nos recherches. On peut aussi prendre de la recherche par la même, on peut le faire. On va faire un petit exemple rapide. On a cherché. Donc, une fois que vous avez mis son nom à on va rechercher sur la même. Donc, on va chercher donc, des corollaires agrés entre et une image en plus, plus forcément de donc après, le double match, le côté match, permet justement de faire des patterns de machines sur des objets, sur un seul document. Donc là, on peut penser que dans ce sens-là, en cherchant dans une discussion, on va voir que c'est une ligne, je vais trouver. Par une ligne, exactement, en développant une ligne par une discussion. Et finalement, on va voir ça, on va avoir plusieurs résultats. Le premier, donc, correspond à notre résultat qui est au GCL, mais aussi exactement à des lignes qui vont être une ligne de roche. Donc pourquoi? Parce que quand on a ajouté ces deux documents, c'est la discussion qui est dans l'essai et à utiliser, donc, ça a donné les liens, et donc elle est coupée par le chef par le tour avec l'espace, elle est coupée justement le champ de caractère avec l'espace, et donc surtout elle récupère les liens, donc ROC et QMD. Donc le premier représentant, c'est la meilleure score, parce que
participants qui n'ont pas de ligne, la lettre sera aussi dans son coup de courage, potentiellement, qui va nous intéresser de avoir une séparation. Donc, si on voulait éviter, justement, de ne pas trouver, par le trouver vraiment le pattern crowdfunding, on va utiliser donc le pattern dash, qui permet justement de vérifier le, par le portail habitat, où on a également la phase crowdfunding. Donc, après, il faut savoir que l'avocat est aussi, on va les, donc, on peut soit, donc, je parle plutôt du code qu'on va chercher sur un index, mais on peut aussi spécifier que l'on va faire un cherche sur plusieurs index en même temps. Ou, notamment, faire du petit webcam pour faire un peu de la recherche sur les index, qu'on s'en parlerait une par une. On peut aussi préciser plusieurs index identiques pour faire la recherche, ou, si on veut, on va chercher dans l'équipe de Google sur l'ensemble des index. Donc, c'est assez particulier, mais ça peut permettre, par exemple, si on a des, on va faire particulier, on va générer une index par jour, par exemple, on va générer un index sur un groupe de données. Potentiellement, on va avoir la santé, on pourra chercher un peu tout sur l'ensemble des index. Donc, on va se proposer des slash tools qui permettra de récupérer ce qu'on va faire. Donc après, des assistants qui sont de régulation. Donc aujourd'hui, depuis la version 2, il faut savoir que, régulation, on a la des assets, et depuis la version 2, ça a été refait. Donc aujourd'hui, on est déjà en condition, mais il y a vraiment la participation réelle. Donc ça permet d'agréger l'ensemble des informations, selon le président, en l'occurrence, on va faire une opération par revue. Donc, ça va permettre, par exemple, après, de sortir le nom de jugement par revue. Donc, par exemple, si j'ai un livre de sport, on va faire un document, et ainsi de suite. Donc, après, ce qui est un exemple plus difficile, c'est d'analyser donc les requêtes et toutes les agrégations. Donc, on peut les injecter un peu dans le jeu, qui permet vraiment d'arriver à récupérer les demandes qu'on a envie d'afficher. Donc, le problème de l'essai, c'est pas forcément le finalement évidemment à réussir, donc c'est vrai que des fois ça ne fonctionne pas. Mais à travers un peu, on peut le prendre aussi. Donc, le but, l'idée que l'avantage, c'est que les amants, les chercheurs, je pense que le même et les chercheurs, les documents, sont libres. Donc, ça, c'est vrai, ça permet facilement de pouvoir accomplir des choses plus n'importe quoi dans le document. Et à certains moments, on peut aussi faire du script. Donc, on va pouvoir utiliser des machines qui vont nous permettre de spécifier donc les différents attributs dans le projet et surtout leur site. Donc, là, par exemple, je vais créer un attribut là, ça peut être subscription. Un type français ASN qui sont des strings. Obis, pareil, qui est un type string. Donc, là, je spécifie un peu plus sur un intérieur. Donc ça c'est pour aider les fixeurs à savoir comment ils doivent analyser le champ. Parce que par défaut, donc, les fixeurs, selon les langues, va faire aux accents, au nom, et pas mal de choses. Mais aussi, du coup, les deux secondes, tout ce qui va être de l'autre, ainsi de suite, comme ce sont les noms qui ne prononceront pas en France, comment on va faire la recherche, pour avoir un avis en cas, notamment, pour la recherche avec les ressortir un bon lien. Donc après, on va aller plus loin, on va utiliser des templates qui permettent de faire la création de nouvelles en fonction d'un pattern. On va dire que par exemple, tout le domaine commence par un tweet, donc c'est en train de faire un tweet dans un score parce qu'on veut quelque chose. On va pouvoir spécifier un avis par exemple. Et donc, automatiquement, ça va arriver à chaque fois de devoir re-spécifier les modules, à chaque fois, on va refaire la liste. Donc, il y a aussi des tokenizers à propos de personnaliser, on sait que pour la recherche, ça permet aussi de selon les objets qu'on veut stocker, on peut créer des tokenizers pour vraiment pouvoir passer
Par exemple, si tous les caractères se travaillent dans le point de vue, donc c'est moins plutôt bien un peu meilleur qui va savoir tout dans le point de vue, et donc après on va pouvoir trouver les nombres sur ce que sur le caractère. On peut aussi faire du level correction, donc c'est un format bien particulier, mais c'est même dans la plupart des nombres de données, parce que c'est tout un level. Et après, on a la recherche inversée, donc on peut se montrer une population. En fait, c'est juste de la on va stocker, enfin, on va enregistrer des requêtes dans des searches, et selon une organisation, les searches vont vérifier est-ce que le document que j'ai ajouté correspond à mes recherches que j'ai pas enregistrées. Et si c'est le cas, du coup, on peut après démontrer un document particulier. Et voilà. Et donc, du coup, on dit, la recherche, mais avec eux. Donc, il existe pas mal de bibliothèques, dont une qui est de la société. Et donc, ici, pas mal, c'est le SOTEC. Donc, en plus, on peut bien. Donc, ça permet de mettre en place tout le monde d'objets, directement, on peut aussi directement les objets. Donc, c'est pas un CPU pour elle. Ça va nous permettre de créer aussi des projets, insérer oui, je connais pas. Souvent, ça veut dire que vous voulez vous en format. Et donc, du coup, on va vous faire des rapports et des sports. En fait, c'est un peu. Donc, parlez-vous, on a déjà un modèle, un modèle un peu ouvert. Donc, parlez-vous, on a juste spécifique la base de l'investisseur, un peu le reste avec ses outils. Qui va nous permettre, après, effectivement, de pouvoir faire une recherche. Donc, si j'avais déjà le développement de la base, on va arriver à un peu loin sur les deux. Ça va nous permettre de récupérer donc, le document avec la liste en suite. Donc, tout ça, c'est pour le projet. Et après, on peut continuer à faire par rapport à utiliser les objets comme on a envie. Après, c'est pareil, la façon dont on voit les contraintes, c'est de pouvoir utiliser un document. Donc, on va associer un nouveau projet. Ok, je vais passer donc le transfert de la série, la page série de l'instrument de la vie. Ça va l'injecter dans l'article. Mais aussi, c'est pas mal, c'est comme je disais tout à l'heure, que la fiche peut être pratique pour les projets financés tous ces temps. Donc on peut aussi spécifier directement la fiche dans l'objet. Donc là, je vais dire que la fiche, c'est que le DC, je pense que l'objet ne prend pas arrêter le bout par le. Les attributs. Donc, ça permet aussi de pouvoir fixer, comme la fille, on peut se faire directement directement le dispositif, un peu de type, les formats, les index, tout ce que je peux. Mais aussi, si on veut, par exemple, que la fille, on ne peut pas l'objet, on écrit ça dans un fichier, on peut cliquer sur le bon, on peut sortir de la fille, on peut passer une occurrence, un fichier d'année. Qui permet d'avoir affiché une carte de notre élève de la société, du coup, et de tout le monde. Et donc, si on est dans la clé, après de la clé, directement dans le SDNL, peut-être la forme de compte. Donc, les stabilités, ça nous permet de pouvoir faire un document du fond, potentiellement, on va pouvoir vérifier toute l'information. Savoir avec le document qui est déjà stocké, savoir est-ce qu'on veut plus utiliser les informations qu'on veut récupérer dans son paradis, est-ce qu'on veut récupérer les informations qu'on vient récupérer depuis le fond, ou est-ce qu'on veut garder les valeurs qu'on avait déjà saisies précédemment. Donc on peut déterminer plusieurs rapports, et ça nous permet justement après de faire le temps de choisir, de savoir comment on veut. Récupérer les puissances. Encore en l'occurrence, je vais bien rapport avec un portail de la semaine, un portail de soir, et après je vais faire passer les budgets pour un point à point et pour demander ma stratégie. On peut également aussi définir dans notre objet avec les colis. Donc les actifs vont se trouver sur notre objet global. Qui apparaît par exemple pour insérer des requêtes, soit directement dans DSL, soit via un fichier DLL, ou on peut aussi faire des fonctions qui
à la vie. Et donc après, c'est aussi la fibre en sens qui va permettre de déclarer des ressources qui sont induites directement dans un sens que vous retrouverez le solide. Donc il y a un peu de voir finalement un exemple d'un petit objet qui va définir l'efficacité. J'ai essayé quand même. Déjà, il faut savoir que la première différence, c'est que le quizzer, c'est en augment. C'est-à-dire, ou ça match ou ça match pas. Donc, en gros, les scores qui sortent d'un quizzer, c'est 1 ou 0 points. Alors que dans une query, tu peux avoir des scores qui sont fous. Justement, si tu veux, par exemple, chercher, quelqu'un va faire une recherche avec éléphant, mais il oublie le N pour faire extraire. Donc, potentiellement, tu veux pouvoir remonter des documents qui vont matcher éléphant, parce que c'est bien. Avec un filter, tu ne pourras pas, donc avec une query, tu pourras. Et ensuite, les filters et les queries s'appliquent pas au même moment par rapport aux agrégations. C'est-à-dire que les queries, si mon souvenir est bon, elles ont lieu avant les agrégations. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui match en query, donc qui va être sorti de la query, qui sera pas dans son agrég. Et par contre, si tu fais un filtre, ça aura lieu après, pour voir ça dans je les interpréter toujours. Et en gros, il y en a un qui va filtrer des chiffres dans les agrégations et pas l'autre. Donc, faire attention. Je voulais savoir, est-ce que l'indexation, elle se fait que sur du texte, parce qu'on pourra indexer par exemple des points géographiques et puis on pourra faire des chats du type au moins les voisins qui commencent par ce moment-là dans un monde de 3 mètres. Oui, ES permet vraiment d'indexer des points géographiques. Il y a des méthodes de ségrégation qui permettent vraiment par exemple de générer des. Un point moyen de plusieurs points géographiques ou de l'état d'agrégation sur les points géographiques dans les situations. Et même, je crois que si je me souviens bien sur la dernière version, j'ai même vu qu'ils avaient ajouté ce qu'ils appellent des géoshapes, qui permet en gros de donner une série de coordonnées, et bien pour voir dans tous les documents qui sont à l'intérieur de ce shape. Allez, une dernière. Je vais avoir une grande demande. Si tu n'utilises pas Elasticsearch comme base de données, tu peux quand même utiliser Elasticsearch. Et donc, comment se passe avec l'indexation par ton données? Donc, avant, on avait une version Linux, on avait le mouvement des qui permettait, en gros, c'est une qui permettait de l'arrêter relationnelle, directement de l'arrêter dans Elasticsearch. Du coup, j'ai pas plus d'attention pour la version de X, mais de mes voix, elles ont fait finalement, pareil, pas tout dans le public, mais un peu plus contrôlé. Il y a quand même quelques modifications majeures sur la 1 et la version 2, dans le sens où les outils sont déjà supprimés, les facettes sont aussi supprimées, donc elles vont remplacer par les agrégations, et il y a d'autres détails aussi qui concernent
des types. Avant de l'avant, on pouvait avoir un index. Dans un index, on peut avoir une attribut qui a des différents types. Et depuis la version 2, il est très fortement conseillé de avoir une attribut qui a plus le même type dans un index. Sinon, on peut poser des petits problèmes à priori au niveau de. Dans un index, c'est la correcte. Normalement, on a bien des avant, mais si ça n'est pas des avant, ça peut provoquer d'avoir le même. Donc, c'est une différence. Merci.